Salut YouTube, nous revoilà sur le meilleur Mario de tous les temps, Super Mario Galaxy. Et a priori, je fais pleurer tout le monde sur mon chat parce que je suis un gros fourbe. Voilà. Mais voilà, ça y est. Voilà, c'est la rébellion. C'est la rébellion dans mon chat. Je vais être obligé de ban tout le monde. Hein, c'est quoi tout brûlé? D'accord. J'ai mis du temps à voir c'était quoi le... La Zizimote. C'est chez qui tout brûlé là? Chez Nathalie. Bah oui. Évidemment. Évidemment que c'est chez Nat. Pourquoi ai-je posé la question? Qu'est-ce que t'as fait, Melzekiel? T'as joué avec tes filles. T'as préparé ton ex à prendre soin de son foutu téléphone qui saoule. Préparé des installeurs, des logiciels pour réinstaller ton PC. Guy, t'as fait du rangement, du tri, des trucs cracra, enlever une tonnelle, libérer un chat et avoir peur qu'elle revienne pas. Jouer avec Noisette. C'est le chat de qui, Noisette? Melzekiel a terminé d'installer son téléphone. Et Number IT est toujours en train de de hurler au scandale. Ça lui apprendra à jouer avec les Jean-Michel à vous. Alors j'ai cherché, j'ai essayé. Avec l'épée, j'ai pas le droit de remettre. Non, bah non, ça c'est... Il y a que le streamer qui peut activer, désactiver ça, quoi. Je comprends que tu puisses te passer des GAP. Mais bon, j'ai acheté mon GPS sur Commode et le logiciel sur Play Store. Du coup, je pouvais pas m'en passer. Alors, j'ai accès au Play Store. J'ai accès au Play Store, mais j'ai pas les Google Apps. Donc, il y a des applis, par contre, qui fonctionnent pas. Mais j'utilise un store alternatif qui est connecté au Play Store. Qui s'appelle Aurora. Un petit R comme Rabia. R comme Rabia. Ouais, Aurora, ouais. Ouais, qui marche très bien. Vous voulez pas des Google Apps à cause des soucis de vie privée, tout ça? Bah, à cause de Google, hein. Si je peux avoir un téléphone qui... Moi, j'ai... Les applis que j'utilise ont pas besoin des GApps. J'ai pas besoin de Google, quoi. J'ai lu que tu pouvais te faire ban en utilisant Aurora. Oui, c'est pour ça que de base, le Aurora Store, en fait, tu te connectes avec un compte anonyme. En fait, il y a un compte qui est créé exprès. Et donc, s'il se fait ban, bah, en fait, c'est géré, quoi. En fait, c'est quand tu lances Aurora, il va télécharger le compte de test. Alors, t'as le choix d'être en mode connecté. Par exemple, si tu veux acheter des applis, par exemple, bah faut que tu sois connecté avec ton compte. Donc effectivement, t'as risque de te le faire péter, enfin de te le faire bannir. Mais quand t'as pas besoin de, ça, le compte anonyme il marche très bien. Aïe. Rabia, c'est pas une traîtresse, elle aurait fait la voix, elle. Si t'arrives à faire en sorte que Rabia fasse quoi que ce soit... Je peux voler avec les herbes. Bra 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 bra. Boloup. Puis
puis je suis pas une spécialiste d'informatique, moi je reste humble dans mes tentatives et mes succès. Ouais non non mais je... Quoi? Pourquoi y'a un truc qui me tire dessus là? C'est une connerie. Du coup on en est où des boîtes de puzzle? Bah j'en sais rien. J'en sais rien, un du tout. Toi tu voulais Marvel, c'est ça? Ah bah voilà pourquoi je me faisais tabasser. Faut pas que je le regarde. Ah, smiling. J'ai compris. Da, 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 da. Ouais mais si je les offre, enfin tu vois. Du coup oui j'ai réfléchi Geeky à ce que tu disais. Effectivement tu avais raison en partie. Mais voilà, si je veux leur offrir, ça leur fait moins cher de payer juste les ports que de payer le... Que de payer le puzzle. Vois-tu? Si je veux que ça soit un simili cadeau. Aujourd'hui quand je me suis baladé, j'ai pas vu le canard habituel, c'était triste. Après j'ai vu 6 canards qui nageaient, j'étais content. Mais écoute, je suis heureux que tu sois content. Oh, j'adore quand ça fait ça. J'adore quand ça fait ça. Waouh, waouh. Mais merde. Il y a une vie là. Pourquoi il y a une vie? Pourquoi il y a une vie? Pourquoi il y a une vie? Une vie, une vie. Qu'est-ce qu'il dit le panneau d'affichage? L'autre côté des planètes? Oh là là. Aujourd'hui, hein, je suis un homme sain. Ok, alors tu les as payés cher car moi c'était l'équivalent du port par la poste, je pense. Les Chinois qui mettent 20€ en cadeau dans leur boîte. Ah oui, non mais à eux. T'achètes un truc 5 balles? Et il t'offre 20 balles. Les fifous. Non ? Salaud. Merde, mais je suis tellement con. Non, je veux pas. Ah oh, si. C'est dégueulasse. Mais il est dégueulasse ce truc. Tu peux aller récupérer la vie, mais tu vas crever en fait si tu récupères la vie. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui disent qu'ils vomissent en jouant un jeu ou en le regardant. Attendez. Mais. Ah voilà. Quand je vois que j'ai payé mon Clémentoni TS4 25 balles et que j'ai payé 10 balles la boîte de Clémentoni de 2 fois 1000, 1 fois 500 millions à Stokomanie. Ouais. 8 à 11 euros moyenne les 1000. Bon prix à Stoko. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu le visuel du Marvel, il est goldé. T'imagines qu'il y en a qui le refusent. Il y en a qui en veulent pas. Ah du coup je sais pas quoi faire. Faites tout chier là.
Non, mais arrête de le prendre. Je vais pas prendre ça. Bra 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 bra. Pouet pouet pouet. Il y avait un truc là, il y avait un petit pédoncule là. Il est où le pédoncule? Il tombe, mais il tombe, mais il est nul. Mario. J'en veux pas qu'arrive à... Mais oui, mais je sais, je sais. Le Harry Potter, c'est celui avec tous les cadres. Ouais, 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 ouais. D'accord. Ça me ramène juste là. Super. Genre le truc qui sert à rien, quoi. Mais non, mais... Quand même que j'aille voir de l'autre côté. Magnifique. Alors, j'ai sûrement des trucs de l'autre côté. Finalement, pas grand chose. Ah! Oh là 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 là. Alors qu'avons-nous ici? Ok, je pourrais récupérer des pièces si je veux. Ah merde, je peux pas aller à l'autre truc là. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Oh là là, va falloir que je cours après le petit lapin. Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Tu crois pouvoir m'attraper? Ah d'accord, puis... Ah il se casse! Oh. Merde, le petit connard! Je l'ai pécho. Elle est jolie cette zone. Le petit lapin, le petit connard. Ah ouais, c'est un peu les deux quoi. La prochaine fois, je ne serai pas aussi facile. P
Pouette, 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 pouette. Il a ralenti, pas du tout, pas du... je trouve qu'il a accéléré moi, d'accord. Et que c'est grâce à mon skill légendaire que j'ai réussi à l'attraper. Spouet, 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 spouet. Coucou Bibi la diva, hein, et merci beaucoup pour le prime. Évidemment, les alertes sont... Vous avez vu? Les alertes sont corrigées. Vous avez vu ça? Est-ce que vous êtes content ou pas? Vous êtes content que les alertes soient corrigées ou pas? J'espère, hein, parce que depuis le temps que vous le demandez... Ah là là, 8 mois, 8 mois d'abonnement. Là, dis donc. Da-da-da-dan, da-dan. Et donc, on voulait la... non, non, tu voulais. Ah, arrête de parler pour tout le monde, tu voulais la voix. Mais personne d'autre la voulait la voix. Hein. Voilà, quand je suis plus devant l'écran. Les arts sont toujours pourris, on n'espère pas pour le premier anniversaire. pas le premier anniversaire de la chaîne du coup, parce que le premier anniversaire de la chaîne c'est foutu. Il est passé. Un votationnage? Mais un vote pourquoi? Depuis quand... Depuis quand on vote en dictature? Depuis quand on vote en dictature? Je vous comprends pas là. Vous le savez que c'est la dictature ici pourtant. Et faites pas comme les anti-vax, hein. Faites pas des montages de moi déguisé en Hitler. Hein. Number et type. Mais fais-le ton stream. Mais voilà. Voilà. Au lieu de gueuler sur le mien là. Quand est-ce que tu te lances toi à streamer? Aïe merde. Zbouet. Attendez. Hop. Voilà. Oula là. Oula, plein, tout plein. Ferme Photoshop. Ouais, c'est mieux, ouais. Non, je prévois de kidnapper en live le streamer et l'obliger à faire des squats. Il y a quand même peu de risques que ça marche, hein. Ah merde! Peut-être fait le con là! Peut-être fait le con! Avec Rabia sur la tête. Putain, il fut une époque où je faisais des squats avec une pote sur les épaules. Hein. Autant dire qu'aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Attendez, il y a Bibi là aujourd'hui, vous avez vu? Vous avez vu que là aujourd'hui il y a Bibi? Il y a Bibi, on ne menace pas le streamer. Et ouais. Bah non, t'as menacé moi de... C'est pas vrai, Bibi, hein.
Il m'a menacé moi. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous sommes très embêtés par ces taupes qui ravagent nos terres. Pour ne pas te faire mal en les touchant, fais d'abord une charge au sol après d'elle. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent ridicule, mais... Eh, tu sais que tu vas finir par rester bloqué avec le com même. Hein, au bout d'un moment. Il paraît que si tu écris com même trop souvent, à la fin tu restes bloqué. Attention hein. Ah au fait Gigit, oui je peux imprimer ton truc mais t'en as besoin pour quand? En fait là est la question. Mais oui j'ai vu ton message. Je sais pas. C'est comme quand on louche, on reste bloqué, ouais. C'est plus de 10 ans que je tire. Tiens. Tiens la topinette. Mario, c'est un peu comme Samus, hein. Mario, il arrive, il détruit la faune et la flore, hein. Ouais j'ai dû faire de la rééducation pour apprendre à loucher, je suis censé loucher pour pas perdre de bénéfices. Je le fais jamais. Bah ouais t'as fait de l'orthopsie. Bah moi aussi j'ai fait de l'orthopsie. Avant le 25 août le truc est imprimé, je pense que du coup niveau timing on devrait être bon. Ça devrait aller. Ça sert à quoi de loucher volontairement? En fait, il y a des personnes qui, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont tendance à utiliser plus un œil que l'autre. Donc en fait, il y a un œil qui bosse pendant que l'autre fout rien. Et du coup, bah t'en fatigues qu'un seul quoi. Et en plus, t'as deux yeux, les deux doivent bosser de manière à peu près équitable et du coup... Merde. Du coup, en faire bosser qu'un, c'est un peu con quoi. Donc tu as des médecins qui s'appellent des orthoptistes qui font de la rééducation des yeux en fait. Ça va messieurs dames qu'encore une fois Tony avec Tamarescu et m'aide à m'installer. Comme d'hab. On dirait une crotte cette planète. Bah dis donc. Très jolie crotte. Mais les yeux ils bougent en même temps, non? J'avais jamais entendu parler. Et non en fait, il y a certains trucs, quand tu fixes un point qui est vraiment proche de toi, tu vois, et tu vas loucher en fait naturellement. Et bah il se peut qu'il y en ait qu'un œil, il y ait qu'un œil qui fasse le boulot et que l'autre foute rien en fait. J'aime bien, c'est quand même le niveau où on nous apprend à faire du ground pound sur tout le monde, quoi. C'est dégueulasse. Ah, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça crado possible.
qui grandit en plus. Enlarge your chenille. C'est ça, moi je m'en suis... Je m'en suis rendu compte, ouais, parce que... Alors j'ai une bonne vision. Et y a aucun problème, j'ai aucun problème de vision. Mais par contre, ouais, au bout d'un moment, en fait, je me rendais compte que ça faisait quelques mois où, justement, la mise au point était compliquée. C'est, mes yeux allaient faire la mise au point, mais ça prenait plus de temps qu'avant, quoi. Donc j'avais toute une période de flou. J'avais une ou deux secondes de flou, en fait, avant d'avoir une bonne mise au point, quoi. C'était un peu chiant. Est-ce que je suis vraiment à deux trucs près, quoi? Ma connexion est pourrie de bisous, non, ça... Mais non, bah évidemment que non, jamais. Jamais. Bah des bisous, Bibi. Tu fais des bisous à tout le monde. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Putain, j'ai réussi à tourner au dernier moment. Oh, ça j'ai déjà eu. Bon, descends, descends, hop. Ah, une taupe méchante, regardez. Ah non. Quoi? Merde. Il va être vraiment vénère là. Ah oui, oh là là, regardez-le. Oh, il est pas content, hein. Casse des trucs. Merde. Merde, du coup il s'arrête. Non mais c'est dégueulasse. Voilà. Allez hop. Une étoile. Ah non, ça ressemblait pas à un caca, ça ressemblait à un point d'interrogation. On l'a vu là. On l'a vu le point d'interrogation. Allez hop, nouvelle galaxie. Ça c'est les galaxies où on a un seul truc à faire, donc on va y aller tout de suite. Tam 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 tananana. Alors, Mario Abeille.
Non mais arrête. Non mais j'aime pas pourquoi il fait ça. Ah, il y avait un truc en bas. Il y avait un truc en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Merde. Oh là là, regardez. La belle étoile. Il y a un truc là-haut aussi. Ah oh, d'accord. Whippy ! Oh là là ! Oh là là ! Le pognon. Remets Ezekiel. The pognon. Of the fragment of the étoiles. Oh là là, mais ce niveau. Mais ce niveau. Il me régale, hein. Non. Ben voilà. T'es payé des migraines de l'enfer en éducation chez Orthoptis pendant un an. Il s'est toujours pas louché. Ah merde. Je sais plus combien de séances j'ai fait, ouais. 6, 7, un truc dans le genre. Et ça a vachement aidé. Ça a même corrigé d'ailleurs le problème que j'avais. Bim, bim, hop, c'est parti. Pouette, pouette, pouette. Le chaos gravitationnel des jardins venteux. Que se passe-t-il ? Ta la 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 la. Yes. Voilà, donne-moi tes fragments, toi. Il y en a un autre ? Bah, il y en a un autre là. Bon, bah, ok. Hein. Je parle de vieille migraine du jour qui m'envoie aux urgences car j'ai un plus de boue, un drap sur la tête et des intraveineuses de calmant pour les gros maux de tête. Ouais, non, mais bah, des migraines en fait. C'est vrai que les gens ont tendance à confondre migraine et mal de tête. Alors que on dit souvent j'ai la migraine, alors que souvent c'est juste des maux de tête.
Mais les migraines, c'est une vraie affection, quoi. Exercice qu'on peut faire tout seul chez soi, genre mettre son doigt devant les yeux et suivre du regard. Alors oui et non. Oui, effectivement, c'est des trucs que tu pourrais faire théoriquement, mais bon, le fait que ça soit suivi par une personne qui sait ce qu'elle fait, c'est quand même vachement plus intéressant, quoi. Merde, je l'ai foiré. Tant pis. Mais barrez-vous. Je me fais choper par ça, quoi. Nanana. Moi, fourrir un contrôlable alors qu'elle pensait que je me foutais d'elle. Là aussi, je suis tombé du tabouret car je perdais mes repères. On verra le cul de faire entrer le perroquet dans la cage. C'est chiant. Wait. Wait. Mais... Voilà. C'est ça qu'est-ce que je voulais. Nanana. Bon, allez, on a autre chose à foutre. Hein. On va prendre les trucs qui sont évidents. Yahoo! Il y a un seul truc cool avec les migraines, c'est qu'on prend des médicaments. c'est qu'on prend des médicaments qui défoncent. Non, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est qu'on n'est pas obligé de faire la vaisselle. C'est qu'on a le droit de roupiller en ayant une excuse. Aïe, le salaud. C'est quand j'atteins le stade 3, je fais de l'anesthésie, c'est ça. Et ça, c'est amusant, c'est un effet calmant. Mais Ezekiel, elle est synesthète. Bah du coup, laquelle synesthésie aussi, parce que c'est vague. Les salauds. Les salauds. Les sons en couleur, ok. Non. Non, plus. La synesthésie, c'est pas le pouvoir de bouger les choses à distance. Comme Pro Aliwell, si si. Si si, c'est ça. Non mais il a tourné le Mario. Ça a l'air d'être grand. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Danger, faites attention où vous mettez les pieds. Pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi il faut que je fasse attention. Trop bien. Ok. Oh, pan pan pan. D'accord. Aïe. Petit salaud. Il est raide ce niveau, regardez pour moi. Ah bah heureusement qu'on n'est pas sur Deadcore. Hein. Tadat, tadat. Tadadada. C'est utilisément trop compliqué ce soir. Arrête de faire le con. Ah! Ah! Il y a une comète. Comète blanche, c'est c'est les boss, non, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de faire l'enfant ce soir. Et bah tu y arrives extrêmement bien. Je trouve. Dalant. Tiens, elle est vénère. Hein. Parce qu'on t'a retiré le... Mais non, mais je sais pas ce que... Non, mais on a rien retiré à qui que ce soit. Il y a Twitch qui bug à un moment. Mais il vient d'où? Oh, c'est dégueulasse. Il vient d'où cet enfoiros là? Maître enfoiros. J'étais tranquillement en train de récupérer mes fragments là. Et faire quoi? Tu vas postuler à Twitch? Et comme ça, je mettrai les Jean-Michel Avoue à un point de chaîne. Sans temps de recharge. Bah écoute. Écoute, bah vas-y. Let's go! J'attends. Et merde, c'est dégueulasse. C'est le premier qui me... C'est le premier qui me pose problème. Ça nous fait un petit stream pas Number 80, ouais, dit pas ta tarte. Ah, il disait postuler en tant qu'employé. Ah, c'était nul. C'était nul.
Ah, t'inquiète pas, Melzekiel, hein, si tu trouvais ça trop. Trop perso, te le dirais. Putain, mais les caillasses là! Les caillasses qui me vénèrent! Voilà! Hérité de ma chère maman, ça et les capitaux. Bam 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 bada bam. Vous voyez, employé, mais ça n'empêche pas de faire un stream. C'est vrai, parce qu'il y a Gip. Il y a Gip par exemple qui est employé chez Twitch et qui fait du stream. Il y en a un planqué. Allez, volcan de glace. C'est bien ça. De toute façon, on mérite toujours des mauvais gènes. Et non. On n'hérite pas que des mauvais gènes, hein. Sinon. Je pense que l'espèce serait éteinte depuis très longtemps. Je préfère Venise à Gênes. Eh hey, le vieux, toi aussi t'es en train de faire du patin à glace? T'es un pinguino? Alors fais la course avec moi, tu crois que tu pourrais me rattraper? Tu vas voir si je vais pas t'attraper. Mario il attrape tout le monde hein. Pas de soucis de race, de genre... Mettra tout le monde. Pas mal pour un vieux. Avec tant de technique, tu devrais pouvoir t'en sortir là-bas. J'ai pas hérité des gènes de violence et de conneries de mon géniteur, non, ça va. Bah ouais, bah on... Je serais pas là sinon, hein. Clairement, tu serais pas sur le chat si c'était le cas. Ah merde! Ah, on peut tomber, d'accord, ok. Bélébélébélébim. Ah oui! La fameuse transfo. Qui permet de patinade. Voilà. Moi j'aime que les chats. Les poils, c'est sexy. Cache son torche. Son torse. Ouais.
La moquette, on s'y fait, ouais. Je suis habitué, je suis habitué à la mienne, moi, depuis un moment. Dum, dum. Dum, 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 dum. Je sais pas où je suis arrivé là. Non. Heureusement qu'il y avait encore mes trucs hein. Ok bon. Nous voilà là. C'est refoutu à la flotte ce con. Ça va m'embêter. Viens par là toi. Il retombe à chaque fois. Il fout ma gueule. Voilà. Merci. J'ai fait une blague sur la moquette mais non. La dernière fois que j'ai eu un torse poilu entre les mains, j'ai mis ma tête dedans et j'ai fait blablabla. Eh bah dis donc. Ok, voilà. Ce jeu serait magnifique s'ils avaient fait un remaster. Mais je trouve que, honnêtement, je trouve encore pas dégueu, hein, franchement. Sachant que le jeu a 14 ans. Pour un jeu qui a 14 ans, c'est quand même pas crado quoi. Oh les connards! Oh mais arrête! Et voilà. Il va se rénerver. Non, non, non. Arrête. Meurs pas, merci. J'y retourne. Ouais, pas dégueu, mais franchement, aussi bien qu'un Odyssée. Honnêtement, quand on voit Odyssée, pas si ouf. Hein. Mais non, mais... Arrête d'être con, arrête d'être con, arrête d'être con, arrête d'être con. Qu'est-ce que je fous? Non mais, arrête! Je veux pas crever maintenant. Non. Oh là là, mais c'est pas possible d'être si gland quoi. Je vais y arriver. Hein. Alors, je vais y arriver. Promis.
Qu'est-ce qu'il foutait là l'autre? Oh là là. Je trouve plus le mot, mais comment on appelle quand on met la tête dans la poitrine et que le mec fait blablabla? Je ne sais pas. C'est toi le... C'est toi l'expert pâte à tarte hein, sur le chat, hein. C'est pas nous, hein. En même temps, qui fait vraiment ça en même temps, hein. Je... Je peux l'avoir pendant qu'il est en hauteur. Ah ouais. Ah ouais, non mais fast rat là, fast rat. Oh bah oui, mais c'est easy quand on sait quoi. Voilà, vous voyez, quand on le sait finalement, c'est simple. Moi, parce que c'est rigolo. Ouais. T'as les boobs des messieurs. Non, je pense qu'il fait ça avec les fesses. Motorboat, action qui consiste à agiter son visage entre les seins, ouais. Tony me l'encourage pas, quoi. Ah! La cometa del hombre. Attendez. Alerte! Alerte! Alerte à la comète! Vous me dites si c'est chiant. Oh là là, c'est d'accord, c'est la piste aux étoiles quoi. Va falloir pas falloir déconner hein. Bon. Ah oui, d'accord. Ah, il vient de comprendre. C'est facile en fait leur connerie là. Oh, puis regardez ce que je vais tenter à la fin. Oh là 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 là. Oh, oh le Mario d'ombre là, je lui ai mis la misère. La misère, je lui ai mis. Mais j'adorais vraiment à l'époque les niveaux où il fallait aller vite. Dans Galaxy, je crois plus dans le 2 peut-être, je sais plus. Mais je passais mon temps à faire des longs jumps quoi. Vraiment hein. On en a pour notre argent. D'ailleurs, je tiens à rappeler que si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, hein, un petit Prime là, ça fait plaisir. Et puis si vous n'avez pas Amazon Prime mais que vous êtes riche, n'hésitez pas à balancer vos subs. Hein. Les subs tier 3 est ouvert évidemment. Ou alors offrez des subs. Si vous êtes riche. Si vous êtes riche hein. Sinon déconnez pas, gardez vos sous. Ah mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais vous voyez, j'ai du skill et puis derrière il y en a plus. Derrière c'est fini. Fini le skill. On arrête. Ah mais il y a des pièces là, j'ai vu. J'ai vu. Ah, il y a vu the pièce. Look.
Merde. Voilà, dès que je parle de sub, il n'y a plus personne qui parle, hein, évidemment. Évidemment. Vous êtes tous les mêmes, c'est fou. À quand Mario patinage artistique ? C'est vrai que vous êtes beaucoup de sub quand même. Toujours mal au mollet de ma Zumba hier soir, vous avez une idée de ce que je pourrais faire pour me soulager? La drogue. Prends beaucoup de drogue et ça devrait aller mieux. Ouais non mais c'est bon pour... 4 machins là. Là y'a rien. Putain, le Prime a marché, ça aurait pas dû. Je vais être débité sur Amazon, fuck. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Aïe. Ils m'ont touché. Bah là j'ai les IMO, je l'avais plus, j'ai cliqué sur abonnement gratuit Prime. Alors que mon mois gratuit Prime était fini. Ah ! Ah bah par défaut oui c'est renouvellement sauf si tu annules quoi donc Effectivement. Mario del Fuego. Ah merde, c'est limité. Non mais dans quel Mario on limite le... les bonus là? Imagine Genius. Imagine 3D World avec un temps limité sur les... sur les bonus. Imagine. Non mais c'est bien patatarte, regarde, comme ça tu es... Tu es sub à ton streamer préféré un peu plus longtemps que prévu. C'est vachement bien. On limitait nous-mêmes en faisant toucher par les mobs. C'est pas faux. C'est pas faux. Merde. Faire un saut normal. C'est dans le truc qui va tourner quand je vais aller dessus, voilà. Pouette, 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 pouette. Voilà. Tellement de fragments. Mais... merci. Il y en a un deuxième ? Il y en a un... Non ! Les salauds.
Non. Non. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Ah ouais? Voilà, mais les trucs qui... Il y a des trucs qui brûlent là. Je le vois, il y a des trucs qui font des brûlures. Allez hop, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tiens toi, tu meurs. Est-ce que ça marche si loin que ça? Ah. Ah bah forcément, lui je le rallume. Viens par là, viens, viens par là mon petit, viens. Eh bien. Voilà. C'est parfait. Alors. Pam 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 la pam. Doudou, doudou, doudou. Eh viens. Comment ça s'est pas passé? Voilà, c'est passé. J'aimerais qu'Amazon Prime nous laisse choisir de faire livrer ou non le dimanche. J'ai pas envie de faire travailler les livreurs le dimanche. Moi, bah, pareil, ça me fait tellement chier. Quand je les vois débarquer le dimanche, là, je fais « Oh là, mais les gars, quoi. » Et par contre, le service marche vachement bien. Et les livreurs, sur lesquels je suis tombé pour l'instant, ont l'air super cool, quoi. Mais putain, bosser le dimanche, quoi. Tiens, après son coming out sexuel, il a fait son coming out de neurotypique Wentworth Miller. Il est autiste. Diag a près de 50 ans. Oh là là. Du coup, est-ce qu'il reprend Prison Break ou pas? Pouette, 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 pouette. Morsure du froid à brûlure du feu. Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Évidemment. Ça vole, ça vole. Jamais rôle trop hétéro et série macho. Comment ça? Il a eu un auto-diag, un diag informel et enfin le diag formel. Ouais, pas, pas par le boulanger quoi. Ah, regardez. C'est bien ça. J'aime bien moi. J'aime bien moi avoir des points de vie. Allez hop là. Elle n'a pas le temps. J'ai pas le temps moi, j'ai pas le temps.
Mais non ! Arrête Mario ! Ça pour une vie de merde. Non mais sors ! Oh, qu'il est nul. Qu'il est nul ce Mario. Mais il reste dans l'eau froide, il est complètement con. Ah oui, regardez. Qu'est-ce que donc ? Oh les bats ! Ils ont pas prévenu de ça hein ! Et si les psychologues aussi, j'en vois tout le temps. Même sans le diag, un neuroa, il sait qu'il est neuroa. Pas de diag de différentiel, hop, on se précipite quoi. Ouais, j'ai pas. Je comprends pas là. Genre, un soi-disant expert US de ma boîte m'a diagnostiqué autiste, sauf que je suis HP avec un vrai diagnostic. Moi, je sais que je suis. Je le suis, et bah, le diag à 400 euros pour l'étiquette, m'en fous, hein. D'accord, si ça t'apporte rien. OZEF. Vous savez le nombre de zèbres et TDAH que j'ai en cours. Moi j'ai été testé enfant, pas eu le choix. C'est consistant dans le temps. C'est tout, c'est juste pour ça. C'est complètement con. Complètement con, mais nul. Non, c'est nul. La caméra. Jean-Mich caméra. Non. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. J'ai pas mal le temps, j'ai pas mal le temps, j'ai pas mal le temps. Ah. Non mais arrête! Eh quand même, au bout de la 10e fois, et ça va? Ah oh bah évidemment, évidemment. Ah oui d'accord. Mais non, mais non, mais non. Non! Oh putain, la classification évolue en permanence, compliquée de séparer les différentes noix atypiques de celles dont elles sont différentes les unes des autres, tout en ayant des similitudes, une différence claire entre autisme et le reste. Diagnostic tous positifs à la moniantitude. Ah, désolé si la blague est bof, je connais pas grand chose sur le sujet. Autisme, c'est un véritable handicap. Et le degré d'handicap est très variable pour l'autisme. Nous répond Genius. On peut être autiste fonctionnel, ouais. Certains s'autodiagnostiquent Asperger pour pouvoir se comporter comme des connards en servant comme paravent. Ouais.
Putain, le jeu qui me fait jouer à l'envers, quoi. À un moment, t'es mignon, mais... ça va, quoi. Vas-y, allez, je me casse. Je me casse, j'en ai marre. Eh ben moi je suis rien diagnostiqué moi. Voilà. Ah pas de diagnostic moi. Zéro, que dalle. Est-ce que c'est-il grave ou est-ce que c'est-il pas grave ? Que j'ai pas le diagnostic. Ou merde, j'ai pas repris le truc là. J'ai peut-être fait le con. Putain, sur la fin, hein. Vous avez entendu le gloum gloum gloum, ça veut dire que c'était la fin en fait. Toi t'es diagnostiqué de canard. Quelle espèce de gros celui-là. Moi j'aime pas les étiquettes. Et je sais que c'est important pour aider mais s'occuper de ceux qui en ont besoin. Pas forcément en fait, il y a des gens qui se conviennent très bien quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un diagnostic pour aller mieux et d'autres non quoi donc. Après par exemple les étiquettes sur les vêtements c'est bien. Ça permet de savoir à combien faut les faire... quelle température tu peux les faire tourner. Donc des fois les étiquettes c'est bien aussi. Ouais, vous cachez, nouvelle thérapie fin août. Je suis sûr que je vais encore y avoir droit. Ouais, j'aime pas les étiquettes car je dois toutes les... voilà. On a eu la même vanne. Pam pam. Oh non! Oh les niveaux du désert dans les Mario... c'est pas ce qu'on aime, hein. Ah c'est rigolo en fait, je me suis enfoncé le cul dans le... Je m'envole! Coucou, je m'envole! Bisous, je m'envole. Je coupe jamais les étiquettes, c'est un toc, ça me fait chier d'avoir un truc à complet. Tu te rappelles, Genius, de ce qu'on disait de mon stream la dernière fois? Un Genius, tu t'en rappelles ou pas? Qu'est-ce qu'on disait? J'avais raison comme d'hab. Ah bah ouais, non mais... Génie. Tu vas vraiment épouser Number 80? Je pense pas que ça soit possible. Hein. T'as pas trop de problèmes. Donc ça ne va pas marcher. Un ramassis de gens chelous.
Ça dépend si Guigui t'as des tatouages, ça passe. Je suis anti-mariage, sauf si on se marie sur la marche impériale et Stormtrooper en Redenor. Moi je suis anti-mariage, sauf si c'est Scarlett. Dans ce cas-là, c'est ok. Bah voilà. Aïe! Il m'a tapé le vilain! Les ennemis, ils me tapent. J'espère bientôt une manchette jeu vidéo. Oula! C'est dégueulasse ça! Comment je fais pour aller assez vite là? Ça a l'air d'être bien la merde. Parce que là, les poulets qui me balancent des bombes. Ça a pas l'air ouf, hein. Non, bah non. Merci. Ok. Bon, on continue, hein. Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, Mario? Voilà, merci. Ah, zut. Ok, ça c'est bon. Ça, j'ai eu du bol. Ah, c'est bon. Moi, je veux le faire pour avoir un camion pizza à la cérémonie. Rien dans la religion de Jedi ne l'interdit. Oh là là, mais ils sont complètement barrés. Hein. Et quand je dis complètement barré et que j'insiste sur le barré, c'est pas un effet de style. Un goinfre Luma, trop bien. Regardez, on va aller pouvoir aller le voir. Avoir un nouveau niveau. Ça va être trop bien. Allez, on va faire ça. J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein. Ding ding ding, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 800, je me transformerai. Eh ben dis donc. Rien que ça. Heureusement que j'en ai plein maintenant. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation. T'as pas bu ce soir? T'es barré naturel? Ah bah ça fait plaisir, ouais. Effectivement. Et hop. Une nouvelle galaxie de trouver. C'est parfait. Bisous YouTube, à la prochaine. Tu verras qu'est-ce que c'est que la galaxie. À une prochaine vidéo. N'hésite pas, hein. Bisous.